Bon, on va passer aux choses sérieuses. Oh, ma gauche d'un matin, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Ma gauche, là. Bon. On va aller directement. On va aller vite. Attends, j'ai diminué un peu les 10. Parents ivoiriens, ivoiriennes, soyez salués, soyez honorés, soyez tous sous la coupole, je dois le dire, de notre Seigneur. Que ça soit Allah, que ça soit Bouddha, soyez tous, vous qui adorez, ou encore vous qui priez Allah, vous qui priez Bouddha, Vous qui avez d'autres divinités ce matin, je prie que toutes ces divinités, que vous soyez sous la coupole de ces différentes divinités. Soyez bénis, soyez honorés. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez la protection de vos différentes divinités. Bon, ce matin, encore une fois de plus, c'est moi, le camarade Michel Zama. Je me permets encore de me mettre devant ma caméra ou encore mon téléphone portable pour m'entretenir avec vous. Avant de commencer ma vidéo, je souhaiterais de façon coutumière, comme j'ai pour habitude de dire, de la partager. C'est important. C'est important parce que nous sommes dans une situation où nous vivons un peu la guerre de la communication. Oui, la guerre de la communication. Les années précédentes, je dirais au moins 10 ans en arrière, ou bien 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, c'était un peu difficile parce que l'évolution de l'Internet n'était pas encore au niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Pour dire plus ou moins aussi que la technologie aussi n'était pas aussi avancée comme aujourd'hui. Raison pour laquelle plein de choses nous échappaient. Raison pour laquelle nous qui étions dans les campagnes, nous qui étions dans les villages, on a beaucoup ignoré des choses et les médias occidentaux prenaient toujours le dessus pour nous mettre en palabre, pour nous cogner les têtes, pour nous donner les mauvaises informations. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je dirais grâce à Dieu, c'est vrai que c'est eux qui ont plus ou moins, les Occidentaux qui ont plus ou moins évolué le niveau de la technologie, mais n'empêche quand même que leur propre fusil, on prend aujourd'hui leur propre fusil aussi pour pouvoir se battre avec eux. En gros, je veux parler de l'évolution de la technologie. En 2010, ou encore les années antérieures, en 2010, avant la grande crise, si on avait l'opportunité, l'occasion aussi de sensibiliser aussi nos parents de cette façon comme on le fait aujourd'hui, c'est sûr que c'est vrai, peut-être que la crise allait
subvenir, mais il y a beaucoup de choses qu'on allait éviter. Ça, c'est important. Donc, merci à Dieu qui permet tout à son temps. Aujourd'hui, c'est sûr que même si les Occidentaux envoient des informations, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'évolution de cette technologie, de l'Internet, on peut aussi vérifier pour démentir ou encore attester. Donc, voilà, je souhaite que cette vidéo, elle soit likée, comme vous avez pour habitude de faire, vous qui êtes sur ma page. Je souhaite aussi que cette vidéo soit partagée, même si elle est vue par une ou deux personnes. Je souhaite que cette vidéo soit partagée. Je souhaite aussi pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma page, s'abonnent. C'est important. C'est aussi ma contribution, c'est d'apporter des messages. Apporter des messages et si vous voulez vous donner des informations et en retour, vous qui me suivez, la seule chose que je vous demande, c'est de partager. Partagez la vidéo dans les inbox et vous abonner. Voilà un peu la seule façon pour vous de me récompenser. Parce que c'est pas aussi facile prendre une caméra et parler, s'adresser à des milliers de personnes ou encore à des centaines de personnes, c'est pas facile. Donc encouragez-nous à faire véhiculer, à propager nos messages que nous véhiculons jour et nuit sur nos, à travers nos caméras, à travers aussi nos téléphones. C'est important. Certains sont ceux qui n'ont pas le courage de prendre le téléphone ou encore leur caméra pour s'exprimer. Bon, pour des raisons quelconques, je ne pourrais pas plus ou moins rentrer dans leurs différentes raisons, mais il faut aussi savoir que c'est le courage aussi que nous prenons. C'est le courage aussi que nous prenons en ce sens que nous parlons à visage découvert. Donc, vous qui regardez la vidéo, encouragez-nous aussi en partageant nos messages, en vous abonnant. C'est important. Bon, ce matin, je vais rentrer un peu rapidement dans le but du sujet. Parce que habituellement, j'ai pour habitude de commencer sur les big up tout et tout. Mais ce matin, je vais rentrer un peu rapidement dans le but du sujet. Parce que après ça, j'ai d'autres choses à faire. Donc, j'étais disant, ce matin, je vais vous parler plus ou moins de la vie d'une personne. Oui, de la vie d'une personne. Qui n'est pas quand même, mais qui n'est pas anodin dans notre vie, dans notre histoire. Cette personne, si je ne dis pas des bêtises, est née le 31 mai 1945. Cette personne, c'est vrai, on est des humains. Et le fait qu'on soit humain fait de nous des êtres imparfaits. Mais sachez aussi que Dieu n'a pas fait erreur aussi. C'est vrai, nous sommes remplis d'erreurs, nous sommes remplis d'imperfections, mais Dieu n'a pas fait erreur en créant les humains. Donc, voilà une personne qui est née le 31 mai 1945. Et toute sa vie, déjà, le nom qu'il porte dans notre langue, dans notre patois, veut dire le défenseur, c'est-à-dire celui qui prend la parole, la voix, celui, c'est le porte-parole des sans-voix. Celui qui défend l'opprimé. C'est un peu comme ça, on traduit son nom qu'il a. Cette personne, ça fait pratiquement
si je n'abuse pas, près de 50 à 60 ans. Cette personne a passé et passe toute sa vie à défendre un peuple, à défendre un continent, pour dire que lui-même, il s'oublie. Avoir un amour de ce genre, je pense quand même que, pour la petite connaissance que j'ai, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a donné sa poitrine, a donné sa vie pour l'humanité. Donc, voilà cette personne, ça fait près de 50 ans, 50 à 60 ans, cette personne passe tout son temps à lutter, à défendre son peuple, à défendre son continent. Et de façon injuste, cette personne reçoit des humiliations. De façon injuste, cette personne est parfois incarcérée pour des mois, pour des jours, pour des mois, pour des années. Je ne sais pas aussi si cette personne sera incarcérée toute sa vie. C'est vrai, il y a des personnes comme ça. Mais sur la terre, on peut compter une, deux, trois personnes. Je précise bien, malgré leurs imperfections, ils donnent leur poitrine pour les 100 voix. Toute sa vie est remplie d'injustice. C'est-à-dire, il est de façon injuste, il est parfois incarcéré. De façon injuste, il est parfois humilié. Qui peut faire ça entre nous? Vous qui regardez ma vidéo, qui peut au jour d'aujourd'hui? C'est un peu comme quelqu'un qui a deux belles voitures et une autre personne lui demande, je veux une voiture. Naturellement, la personne peut donner une voiture à quelqu'un s'il avait 5 ou bien 6 voitures. Par gentillesse, il peut donner une voiture. Mais comment avoir deux belles voitures et puis donner une et garder une? C'est des choses qui sont impossibles sur la terre. À plus forte raison, avoir deux belles femmes dans ta maison et puis quelqu'un dit, donne-moi une femme. Qui peut le faire? Mais je pense que celui dont je suis en train de parler ce matin, qui est né le 31 mai 1945, peut le faire. Il peut le faire parce que c'est quelqu'un, pour lui, sa vie ne compte pas. Pour lui, malgré ses imperfections, je précise toujours, je ne suis pas en train de dire qu'il est juste. Il a ses défauts. Mais se sacrifier vraiment pour les autres, ah, vraiment, moi-même qui vous parle, je ne peux pas le faire. Se sacrifier, donner, offrir sa vie pour l'autre, c'est des choses qui sont un peu impossibles. Toute sa vie, c'est la lutte. Toute sa vie, c'est défendre l'opprimé, c'est défendre celui qui ne peut pas apporter sa voix, celui qui ne peut pas plus ou moins se défendre. Voilà la vie de cet homme-là. Pour vous qui regardez ma vidéo, je n'ai pas besoin
de dire le nom de cet homme. Mais c'est un peu comme une devinette. Donc je vais répondre tout de suite à cette devinette pour dire qu'il s'agit de la vie du président Laurent Gbagbo. Il y a des gens aujourd'hui qui dirigent une population, ou encore il y a des gens dans mon pays, la Côte d'Ivoire, que lorsqu'ils ont entendu seulement le bruit d'un pétard, ces personnes-là ont sauté des clôtures de 12 à 15 mètres. Il y a des personnes qui ont dirigé ce pays. Seulement le bruit d'un pétard, ils vont jusqu'à aller faire pipi dans leur caleçon. Mais en dehors de ces personnes, il y a une seule personne. Quelles que soient ses imperfections, je pèse toujours mes mots ou encore je reviens toujours sur l'imperfection pour dire que Gbagbo Laurent n'est pas juste. C'est vrai, il n'est pas juste, mais qu'on se dise la vérité, il est incomparable à certaines personnes ou encore à certains présidents qui ont dirigé ce pays. Il est incomparable. Politiquement, il est incomparable. Vis-à-vis de la loyauté envers sa population, il est incomparable. Moi qui vous parle, si j'étais à la place de Laurent Gbagbo, c'est vrai là que je suis devant la caméra, mais si j'étais à la place de Laurent Gbagbo, les offres que Laurent Gbagbo a eues, ou encore qu'on lui a faites, si j'étais à la place de Laurent Gbagbo, il y a longtemps, j'aurais préféré ma vie. Il y a longtemps, j'aurais préféré ma vie. Comment comprendre dans un pays où on tire toutes les armes crépites, les bruits de toutes les armes crépites, que ce soit les Kalachnikov, les lance-roquettes, tout et tout, étant à l'étranger. Ces mêmes blancs qui ont fomenté le coup avec Draman pour accéder au pouvoir, lui disent en Italie, mon frère, nous on est prêts à garantir ta vie, on est prêts à te mettre en sécurité, il ne faut pas rentrer. Mais cet homme dit non, moi je vais rentrer. S'il s'agit de périr avec mon peuple, alors je périrai avec lui. Qu'on se dise la vérité, combien de personnes peuvent faire ça? C'est ça la vérité. Combien de personnes peuvent risquer leur vie à ce point? Je ne pense pas. Je ne vois pas combien de personnes. Et comme on dit dans la vie, on ne dit jamais, jamais, mais ces genres de personnes-là, elles sont vraiment rares. Gbagbo Laurent est venu parmi sa population. On a vu ce que ça pouvait donner. En 2010, toutes les bombes du monde, toutes les puissances mondiales, à l'exception de la Russie, la Chine, mais les États-Unis, la France, l'Angleterre, toutes ces personnes ont fait pleuvoir des bombes sur la résidence de cet homme. Il a dit, il a prêté serment pour dire
qu'il prête serment, il fait, il prête serment pour défendre la nation ivoirienne, pour défendre le peuple ivoirien, quelles que soient les difficultés dans lesquelles ils seront, ou encore elle sera cette nation. Et il a prouvé. Dans cette même occasion, on lui a proposé un exil doré. C'est-à-dire, les États-Unis même, qui faisaient pleuvoir aussi les bombes sur lui, lui a fait une proposition. Comme tu es enseignant, on te propose l'une des plus grandes universités aux États-Unis. Si tu acceptes, tu as la vie sauve. Si tu n'as pas, tu n'acceptes pas, tu meurs. Gbagbo Laurent a préféré mourir avec les Ivoiriens. Ce qui a été, ce qu'on a vu. Il est resté digne. Il est resté digne jusqu'au bout. Il est resté digne jusqu'à ce que l'armée française, c'est-à-dire l'armée occidentale, vienne le récupérer. C'est ça un homme. Ce n'est pas la vie d'un homme qui prête ses mains pour dire que je tue de défendre cette nation et quand on tire, il saute les clôtures. C'est ça. Donc moi personnellement, cet homme-là, cet homme qui a décidé de sacrifier sa vie pour nous autres, en toute sincérité, quelles que soient les difficultés dans lesquelles il se trouvera, tout ce que je peux faire pour aussi donner ma vie, pour être reconnaissant vis-à-vis de lui, je le ferai. C'est ce que aussi je demande à toute la population ivoirienne, africaine, de ne pas, de reconnaître ce que cet homme a fait, de reconnaître ce que cet homme continue de faire, de reconnaître que c'est à cause de nous aujourd'hui, cet homme endure tous les maux du monde. Aujourd'hui, ou encore la dernière fois, j'avais dit que j'allais traiter le sujet concernant l'appel de Bensouda. L'appel de Bensouda, en toute sincérité, c'est un appel qui ne devrait pas, je dirais, surprendre les partisans de Laurent Gbagbo. C'est un appel qui ne devrait pas nous surprendre. Parce que c'est un peu comme le serpent. Le serpent aura beau avoir la force, aura beau avoir le venin dans les crocs, quand tu coupes la tête du serpent, sa queue remue toujours. Pour dire plus ou moins que le serpent ne meurt pas aussi facilement comme on le pense. Donc, quand tu tranches la tête, il fait remuer toujours la queue. C'est un peu ça. Pour dire que le serpent ne prend pas aussi défaite facilement. Donc, l'appel de Bensouda ne devrait pas être pour nous une déception. Au contraire, on devrait la comprendre pour dire que elle a fait un échec. Donc, pour avouer l'échec, on est tous des humains. Pour avouer, ça allait être encore facile pour elle.
raison pour laquelle Bensouda a encore fait l'appel. Mais je vous rassure, parents ivoiriens, ivoiriennes, je vous rassure, amis peuple africain, que Bensouda, sa pile est finie. Sa pile n'a plus de puissance. C'est un peu comme un crabe qu'on met dans un panier qui cherche les voies et moyens pour sortir de ce panier. Qui cherche les issues pour sortir de ce panier. Donc, Bensouda, elle ne fait que ce qu'elle peut faire. Elle est éteinte. Son appel est nul et non avenu. Non avenu, je dois le dire. Bensouda, c'est pour encore plus ou moins qu'on lui démontre la capacité de mobilisation du peuple ivoirien et africain. En fait, quand elle nous voit comme ça à la haie, elle est heureuse, mais elle ne peut pas plus ou moins s'exprimer. Je sais qu'au fond d'elle, voyant le peuple africain debout comme un seul homme devant la haie, devant la prison, c'est une fierté pour elle. Donc, elle veut encore que on se mobilise encore une fois de plus. Donc, pour son appel, moi personnellement, c'est quelque chose qui ne me surprend pas. Au contraire, ça n'ébranle pas ma foi vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Parce que elle a affaire à un homme qui a un moral de fer. C'est ça. Malheureusement pour elle, elle a affaire à un homme qui a un moral de fer. C'est-à-dire un homme qui n'a pas un moral comme nous autres. Si c'est nous autres là, il y a longtemps, on était déjà abattus. Hein? Mais Gbagbo Laurent, malheureusement pour elle, et je sais que le cas de Gbagbo Laurent sera pour elle la fin de sa carrière. Si, soi-disant, cette Bensouda a fait défiler 82 témoins qu'elle a pu entretenir avant de passer à la barre, s'ils ont fait un échec, parents ivoiriens, parents africains, est-ce que selon vous, cet appel-là peut avoir un sens? Gbagbo Laurent est acquitté. Le juge qui est au-dessus du procureur Bensouda a prononcé pour dire que Laurent Gbagbo est acquitté. Bensouda fait appel pour voir si nous, on a encore cette force-là, cette force-là, cette capacité-là à ressurgir encore, à inonder encore la ville de la haine. En fait, c'est ce qu'elle veut nous faire comprendre. Donc, qu'elle comprenne que Nelson Mandela, on appelle Nelson Mandela, si je ne dis pas des bêtises, a fait 27 ans de prison. 27 ans de prison, mais ça n'a pas plus ou moins ébranler la foi de l'ANC, c'est-à-dire la foi des Sud-Africains qui croyaient en lui. Alors, parents ivoiriens, ivoiriennes, peuple africain, nous, notre leader aujourd'hui, qui peut remplacer, qui vient après Nelson Mandela, qui incarne Nelson Mandela, qui seulement a fait 8 ans de prison ou 9 ans de prison. J'ai dit bien 9 ans. Par rapport à 27 ans. 27 moins 9,
Si je n'abuse pas, je trouve 27 moins 9. Je trouve 18 ans. Bon, c'est le calcul que 27 moins 9 à 8. Ouais, disons 18 ans de prison. Et 18 ans de différence. 18 ans si le peuple sud-africain a tenu. Ce n'est pas nous qui avons déjà fait 8 ans, seulement 8 ans, qui allons nous décourager. C'est de ça qu'il s'agit. Le monsieur a prêté serment, il a dit qu'il nous défendra jusqu'au bout. Donc il ne nous appartient pas pour celui qui a fait, il ne serait-ce que 8 ans. Il ne nous appartient pas de suite de se décourager. C'est de ça qu'il s'agit. On ne sait pas où la lutte va nous conduire. Donc, il faut que on soit mobilisé encore une fois de plus pour démontrer notre amour, notre affection vis-à-vis de cet homme qui ne cesse de vendre, si vous voulez, son âme à cause de nous. Aujourd'hui, sur la toile, partout, au sein du RPI, j'ai un peu mal parce que il y a des personnes aujourd'hui qui sont des pros Simone Gbagbo, qui sont des pros Gbagbo, qui sont des pros tant, à l'exception d'Afin Guessant, parce que moi, Afin Guessant, je ne compte pas Afin Guessant dans le RPI. Afin Guessant n'est pas une personnalité du FPI. Ça, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête carrément de se masturber l'esprit pour dire que Afin Guessant fait partie du FPI. Afin Guessant, dans le cœur, c'est la honte qui fait que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas le courage de créer son parti. Et comme on lui a déjà dit de créer son parti, la honte fait qu'il ne peut pas le faire. Sinon, Afin Guessant, il sait que le FBI ne lui appartient pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je parle un peu de certaines personnes au FBI de Laurent Gbagbo qui se réclament soit pro Simone Gbagbo, pro Gbagbo. Bon, ça, il faudrait qu'on arrête ça. Il faudrait qu'on arrête ça parce que le combat se résume, la solution se résume autour d'une seule personne qui est Laurent Gbagbo. Je regarde plus ou moins aussi les tournées de la première dame Simone Yves Gbagbo. Vous qui interprétez ces tournées, je vous en prie. Simone Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore vilipendé de façon officielle son mari. Simone Gbagbo, de façon officielle, n'a pas encore dit que la page de son mari est tournée. Simone Gbagbo reconnaît toujours Laurent Gbagbo comme le leader du FPI. Ce n'est pas le moment de se marcher là-dessus. Nous sommes dans une situation ou encore dans laquelle on doit avoir une bouche commune. On doit avoir un esprit soudé auprès de cet homme qui ne cesse de sacrifier toujours sa vie. Aujourd'hui, je dirais grâce à Dieu. Grâce à Dieu, pourquoi? Parce que Dieu a endurci le cœur de Dramane Ouattara pour pouvoir jouer un sale tour au président Henri Konan Bédié. Moi, je rends gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que aussi ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire est un pays
qui est béni de Dieu. C'est un trésor que nous avons sans le savoir. Un pays béni de Dieu sans le savoir. Pour dire que le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. De façon générale, on ne connaît pas la valeur de ce qu'on possède. Parents ivoiriens, nous avons un pays qui est vraiment béni. Un pays qui est comblé. Regardons un peu autour de nous pour comprendre que nous avons un pays qui est béni. Quand vous voyez la RDC, par exemple, parce que souvent, il me vient de mettre des reportages sur la RDC. C'est un pays qui est vachement grand, qui peut faire au moins 4 à 5 fois la Côte d'Ivoire. Mais ce pays, depuis sa naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, est frappé par des malheurs. Jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont pas encore eu un dirigeant qui peut plus ou moins trouver la solution des différents maux que vit ce pays. Ce pays vit des difficultés, des guerres. Il s'entretue jour et nuit. Ce pays, c'est la désolation. Pourtant, c'est un grand pays. Par rapport au nôtre qui est la Côte d'Ivoire. On aurait pu vivre une guerre civile qu'on a évitée. On aurait pu vivre la guerre qu'a vécu le Rwanda. Pourquoi? Parce que ce pays est béni. Et Dieu s'arrangeait pour que ce pays compose près de 63 à 64 ethniques. C'est l'une des raisons encore qui ont fait que nous avons évité la guerre civile. Donc qu'on comprenne tous, Ivoiriens, Ivoiriennes, que c'est un don précieux que Dieu nous a donné. Ce pays, arrangeons-nous, faisons des efforts de part et d'autre pour comprendre que nous avons un bijou, nous avons un héritage qu'il faut gérer. Donc je disais, heureusement pour nous encore, Dieu a endurci le cœur de Dramane Ouattara et il a trahi Bédier. Parce que si Dramane n'avait pas trahi Bédier et que Bédier était toujours avec Dramane, avec Soro Guillaume, comprenez que nous seuls, les partisans de Laurent Gbagbo, ça allait être encore très difficile de déloger un jour Dramane Ouattara. C'est ça qui est la réalité. Mais Dieu s'est tellement fait les choses qu'il a endurci le cœur de Dramane et il a trompé et il a trahi Bédier avec Soro Guillaume. Donc, aujourd'hui, Bédier se sentant trahi, Dieu a tellement fait les choses que Bédier, qui est le leader le plus âgé, a reconnu ses torts, a reconnu son tort. Bédier, sachez que c'est quelqu'un aussi qui est arrogant. Bédier, c'est quelqu'un qui est orgueilleux parce qu'il a l'argent.
Donc Bédier pouvait aussi avoir le cœur endurci pour ne même pas se racheter, pour ne pas revenir à la raison. Mais Dieu a touché son cœur. Dieu a touché le cœur de Bédier et aujourd'hui, Bédier veut réparer ses erreurs. Soro Guillaume aussi veut réparer ses erreurs. Donc, parents ivoiriens, ivoiriennes, tout ce qui se fait aujourd'hui n'est pas un hasard, n'est pas le fruit d'un hasard. C'est seul Dieu qui fait tout ça. C'est seul Dieu qui touche le cœur des gens, des leaders de la politique ivoirienne qui avaient des cœurs endurcis. Dieu touche leur cœur aujourd'hui et ils comprennent plus ou moins les difficultés du peuple ivoirien. Donc nous qui véhiculons les messages sur Facebook, nous qui véhiculons les messages sur YouTube, je vous demande tous de mettre de l'eau dans vos vins. C'est-à-dire, nous les pro-babo, de mettre de l'eau dans nos vins pour accepter de pardonner ces personnes qui reconnaissent leur tort. En l'occurrence, le président Henri Konan Bédier et Soro Guillaume. Bon, Soro Guillaume, pour lui, je mets ça un peu en griffe. Parce que, officiellement, il y a certaines choses qu'il n'a pas encore faites, mais, parents ivoiriens, ivoiriennes, nous sommes dans une lutte où on a besoin de tout le monde, de tous ceux qui sont épris de cette paix que nous recherchons. Vous les pro-cyber-activistes Soro Guillaume, précisément Amiral Blindé, si tu as envie de vendre ta conscience, alors ne sème pas le doute parmi nous. Parce que jusqu'à preuve de contraire, s'il y a peut-être une, deux cyber-activistes pro-babo qui vilipendent Soro Guillaume, ce n'est pas nous tous. L'élection en 2020, on n'est pas en train de dire, personne n'a encore dit que la coalition aujourd'hui qui se forme, il y aura une seule personne qui va représenter cette coalition. Tout le monde ira de façon juste et transparente à ces élections-là. La différence se trouvera forcément au deuxième tour parce qu'il y aura un deuxième tour. Celui qui ira au deuxième tour avec Dramane Ouattara, cette personne-là sera soutenue par l'ensemble de tous les partisans, de tous les Ivoiriens épris de paix. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, vous les pro-cyber-activistes, pas les pro même, Amiral Blindé, moi je te vois venir, je sais que tu veux vendre ta conscience. Si tu veux la vendre, prends tes responsabilités comme l'a fait Johnny Pacheco. Prends tes responsabilités et vends ta conscience. Tu es libre de faire ce que tu veux. Donc, je reviens à dire que ce n'est pas le moment où nous, les pro-babo ou bien les autres, ce n'est pas le moment de se lancer les pics. Au contraire, c'est dans un seul état d'esprit que nous combattrons Dramane Ouattara. Arrangeons-nous pour ne pas aller en rang dispersé. Hier, je profite de cette occasion pour dire à Dessin Animé, je suis d'accord que tu fais passer des vidéos sur ta page. Mais hier, j'ai regardé une vidéo, une de tes vidéos que tu as fait passer sur ta page.
Il y a une dame, bon, c'est son nom, je n'ai pas retenu tout et tout, et je n'ai pas voulu même aller, je n'ai pas voulu terminer sa vidéo parce que ce qu'elle disait m'étouffait. Elle était en train de vilipender encore le président le président Henri Konan-Bédié. Elle était en train de traiter de. Elle était en train de traiter Bédié de tous les maux. C'est vrai, on est d'accord que Bédié a été cette personne. Mais ce même Bédié aujourd'hui veut que les Ivoiriens retrouvent la paix. Celle qui parlait hier, elle est ici en Europe comme nous autres. Et qu'elle sache aussi que il y a des exilés aujourd'hui en dehors de la Côte d'Ivoire, précisément en Afrique. Et ces exilés qui sont là-bas, ce sont des gens qui ne vivent pas avec des cuillères en or dans la bouche. Elle, là où elle est ici aujourd'hui, elle peut se permettre de manger tout ce qu'elle veut. Elle peut se soigner comme elle veut. Parce que l'État français, c'est du social. Ici, on est en protection. Par rapport aujourd'hui à des gens qui sont dans la sous-région. Je veux parler du Bénin, Togo, Ghana. Il y a nos